Salut, je m'appelle Amanda, puis je vais chanter puis jouer une de mes compositions. Je chante depuis toujours. J'ai pris des cours de chant en troisième année, puis une fois que j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 12 ans. Ben, ça a commencé de là. Puis j'ai commencé à écrire mes propres chansons, puis à chanter, puis ça, j'ai commencé à faire des concours, puis j'ai adoré ça. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je fais tout le temps. Comme vous avez entendu, je joue une composition ce soir. Ça s'appelle Sweet Dreams. J'espère que vous aimez. Deux secondes. T'es pas branché. OK. Au début, là, ta guitare n'était pas branchée comme il se devait, mais ça s'est bien passé. Tu as une belle voix. J'aime le timbre de ta voix qui est un petit peu particulier, là, qui est le fun à entendre. Tu nous regardais aussi. Bon, peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression que peut-être la chanson était un peu personnelle de par les paroles là, que tu disais. Ce qui vient à ma petite critique, je suis sûr que tu sais chanter en français. Oui. Mais c'était très bien. C'est vraiment impressionnant de savoir que c'est ta composition. J'ai bien aimé que tu t'adresses au public avant. J'ai aussi beaucoup aimé les émotions qui passaient jusque dans le fond de la salle aussi. Ça venait vraiment jusqu'ici. Puis t'es belle à regarder chanter. Amanda, c'est vrai que t'es très bonne. Tu as une très bonne voix. Tu joues bien la guitare et ta compo est excellente. Et tu t'es bien repris, tu semblais naturel, puis tout. Mais moi, ma critique, c'est pas parce que la chanson est en anglais,
c'est une chanson, on sent qu'il y a de la rage dans cette chanson-là, mais on la sent pas dans ta voix. Lève-toi debout quand tu chantes. Crie du ventre, hein? Chante du ventre. Bien, t'as une excellente voix, tu t'imites pas. Il y a trop de jeunes filles de ton âge qui essaient d'imiter les chanteuses. Toi, t'as ta voix à toi. Mais tu l'as pas tout à fait trouvé encore. Donc, sors l'émotion, puis ça va bien aller la prochaine fois.